On a les jeunes réactions, c'est député Pétionville-La Djeri Tardieu, que même j'en avec nous, ou t'as suivi différentes interventions qui t'as faites devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, différents diplomates qui exprimaient sur la situation haïtienne, mais il y a des réactions, tout des déclarations qui étaient dans l'esprit mounio, c'est déclaration ministre Affaires étrangères haïtiennes qui dit situation globalement sous contrôle, donc gouvernement gagne contrôle territoire national là ou gain en réaction à chose ou déclaration ça et plusieurs autres déclarations interventions qui fait dans cadre de rencontre ça c'est intervention là paraît dans l'esprit monde li croquer dans gorge peuple haïtien parce que m'ta pas capable dire c'est une page qui pi triste dans histoire diplomatique et Jean-Johnny Ferdinand Abdil c'est un ministre qui masqué et a devant le monde entier. Et les nous démasquer, c'est pas nous seulement qui le masquer, il y a des gens qui ont tous les liens sur les réseaux sociaux. Nous pensons que les Haïtiens n'ont pas oublié tout ça. Il y a un ministre qui a représenté un pays, ça veut dire moi-même avec, devant le monde entier, au lieu de profiter du forum, ça, pour lui l'amour devant les rames que nous vivons, pour lui l'amour devant la crise humanitaire qui a dessiné devant nous, là, qui nous vient des peines matières, qui nous vient des crimes matières, nous félicitons pour ça. Eh bien, il choisit. Prend pause et que tout bagaille ok. Pendant le ministre a dit tout bagaille sous contrôle, représentant la Chine, la Russie, la Norvège, le Canada, la France, c'est eux-mêmes qui ont une meilleure description des drames qu'ils ont vécu là. Donc ça nous dit en contradiction complète avec étrangers. Donc ça nous dit un gros problème dans le pays, un gros problème à diriger. Le ministre a dit tout bagaille sous contrôle pendant qu'on tenait un mois, une semaine, il va sortir la douane. Ça veut dire que quand nous gaz, nous avons dit là, nous bloqué dans le terminal là. Ça veut dire que les bagages gaz dans le pays, c'est l'économie bloquée, c'est le pays qui a tout fait, c'est le peuple qui a la grève. Votre matisse est toujours bloqué. Donc, dès qu'il contrôle, il ministre a pays étranger à parler. Si le pays a coupé, le capital là toujours. C'est-à-dire, l'hôpital, nous avons dit matin avec un pile qui est serré. Et liste l'hôpital qui a fermé parce qu'il n'y a pas de gaz. Médecins résidents, nous voulons un coup de chapeau pour eux parce qu'ils ont bravé danger. Ils ont arrivé à l'hôpital. Là, maintenant, l'hôpital général, c'est 7 qui gagnent pour 100 malades qui sont en urgence. Il n'y a pas de monde qui a un petit problème. L'urgence, ça veut dire qu'il y a un danger de mort. Bon drame humanitaire en Haïti. Bon gros problème en Haïti. Donc, ça, c'est le premier ça pour nous dénoncer. Le premier cri d'alarme pour nous dénoncer. C'est ça. Même taxi, moto, New York, même au gaz, on gaz, on va pour dégager dans le pays. Donc, dès qu'il s'en a parlé, des parcs industriels, il va fermer. Le bureau de l'État, nous sommes fermés, abrasés. Donc, bon problème. Quand on a son cri d'alarme, parce qu'on a parlé d'un pays, côté jusqu'où il y a un petit monde pour aller à l'école. Donc, qui j'aime aller là sous contrôle là? Alors qu'on connaît l'école, c'est base pour marcher le petit monde qui vient demain. Mais qui contrôle la parler là? On connaît que l'école, il y a la base de l'économie pays. Avec l'école a fonctionné. Taxi moto, je n'en tire au ciel. Couturier, je viens tailler uniforme. Avec dimanche, avant, machin, manger, cuit, dégager. Ou même l'école là, le professeur a tout son petit corps. Donc même l'école va ouvrir. Donc dès qu'il sa ministre a parlé, elle dit que tout le bagage est sous contrôle. Nous-mêmes nous disons tout le bagage n'est pas sous contrôle. Nous-mêmes nous disons qu'on crise humanitaire. Nous-mêmes nous tirons la sonnette d'alarme. Et nous disons à côté des gens qui gagnent dans la politique, dans la discussion, dans l'accord, des accords. Priorité, je vous dis, c'est libérer le pays. Pour libérer le terminal là. C'est-à-dire que faut qu'il y ait un gaz et qu'il y ait et faut le distribuer bientôt. Nous ne pouvons pas faire ça, quand tout le monde sait que nous avons des entités qui sont prioritaires. La police nationale ne peut pas faire un gaz dans la machine pour sécuriser la vie et bien. Et comment nous avons des compagnies téléphoniques, pompes gaz, l'hôpital, le centre de santé, le bureau de l'État. Donc, moi, c'est une stratégie par rapport au problème que nous vivons là. Et nous-mêmes, nous dénonçons. Et malheureusement, le discours qui est dépendant avec ce que nous vivons là. Et qui, malheureusement, ne peut pas faire haïtien l'espoir. Et ministre Généus, c'est peut-être un ministre en plus dans l'autre période qui portait un message aux Nations Unies qui rend haïtien déçu, mais nous habitués et avec type de officiel ça yo le yo al porter parole à Haïti yo porter selon yo même qui ça d'après eux même qui expliquait que c'est type de dirigeant ça yo ce type de monde ça yo nous toujours gagner qui a parlé pour Haïti. Bon, et très franchement, dans ville bah, nous avons dit sur ça. Et puis, une crise, pays d'Haïti, peut-être son crise leader, son crise dirigeant, son crise élite.
nous pas connaît qui ça qui fait que malheureusement la politique nous manque et pas capable de personnel qui pour défendre pays qui pour être patriotique. Est-ce que c'est parce que ils ont influencé et par force étrangère? Est-ce que c'est parce que ils ont pas gain compétence? Est-ce que c'est parce que peut-être c'est tout simplement ils ont capable pas vivre même situation pour vivre là, ils ont capable une déconnexion totale? Parce que souvent il y a des fois où les dirigeants vont parler, pas dirigeants seulement, en général. C'est que vous regardez ouais, que ça a dit à des parents net avec conditions et vie monde dans la. Et c'est une bagaille qui est important pour l'avenir, c'est que nous sommes capables de voter l'autre dirigeant qui pour y a l'autre comportement et puis qui pour bailler l'espoir et qui pour parler mettre nos qualités de voir pour ça. Et ça n'a vivre là comme situation, gon méthode, gon façon qui a résoudre problème politique et sociopolitique et économique n'a vivre là. Son appel pour faire gouvernement pour faire face à responsabilité, parce que l'on a joué, faut qu'on ait tout pour la responsabilité. L'on d'accord pour mon responsabilité, faut faire. Ça veut dire faut communiquer puis bien, faut informer pays, faut libérer terminal, faut équiper police nationale là. Il faut garantir la livraison en urgence et de gaz à côté pour le droit aller. Donc, ça, c'est son premier bagage qu'il faut faire au niveau gouvernement. Même pour ces communautés internationales, là, tout, il y a une responsabilité. Parce que tout projet média, peut-être pour vous braquer sous lui, mais les bagages la pété, elle a crasé. Et bien, il y a un compte pour vous rendre. Parce que nous avons un devoir de solidarité tout, envers Haïti. Ce n'est pas si tu as parlé de Haïti Antonio. Mais qu'on devoir de solidarité, quand le président Maniga, on solidarité agissante. Le pays a une grave crise. Donc il y a une crise économique, il y a une crise gang, il y a une crise sécurité. Mais en plus de ça, il y a une pique crise. Il y a une crise valeur et il y a une crise monde. Avec dit que faut nous commencer à penser à un autre haïtien, à d'autres leaders pour siècle cap lever ce moment-là.